Yo tout le monde, c'est Tiob, épisode 4 si je ne me trompe pas. Dans cette campagne de Rome de Total War, on joue les Alains. Alors, qu'est-ce qui se passait? Oui, on allait avoir une attaque de la part des Ardents. Ok. Une attaque assez compliquée d'ailleurs, somme toute. De se débarrasser un peu de je sais pas si on peut y arriver en un tour. C'est pas grave, on va y aller en embuscade. Une armée commence à nous péter, à nous casser un petit peu les bonbons. Ça va être compliqué, mais bon, une fois qu'on sera débarrassé du boss fort, on pourra mieux concentrer nos troupes. Voilà, alors, contre les Ardents, résolution automatique, ça passe, c'est parfait. Bon agressif, hein, toujours. Ça fera plus de victimes du côté ennemi, plus d'argent de notre côté. Ça fait du bénef, quoi. Hop là, alors, qu'est-ce que ça dit là? Ça dit... Ok, donc ils sont marche forcée, très très bien. Là-bas, il y a quoi? C'est un gars du Bosphore, on va voir si... Et c'est parfait. Résolution agressive ici du coup. J'occupe. Ouais, je préfère occuper. C'est pas mon armée qui va mieux piller. Le mieux piller, pardon. Et ici on prend Tamé. Résolution auto. Et là je vais piller, hein. J'ai l'armée qui fait pour. D'autant plus que je vais risquer de manquer un peu d'argent. Hop, défenseur. Ouais. D'accord, j'ai pas de... De mercenaires, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, nourriture, on a besoin de nourriture, fabricant de corps. On n'a pas, et ça, nourriture, on verra après pour le bonheur. Là-bas, voilà, on va attaquer. Résolution. Il est vrai. Ça nous fait moins de pertes, parce que là, quand même, on prend assez cher. Pour preuve, on a perdu une unité. Hein. On va dissoudre les unités. Mercenaires et on va recruter celle qu'on a perdue. Ici on peut rien faire, très bien. Donc si on peut rien faire là, on va recruter un peu plus. Ouais voilà, ça me plaît pas mal ça. Non mais assez équilibré. Eux ils vont progressivement mourir de faim je suppose. Hein. L'ego, on s'entend comment? Mieux en mieux, hein, j'ai l'impression. Ouais. Salutations. Parlez donc. Il n'y a pas de pack de motivation, c'est pas très grave. Ouais, donc on a réussi à bien défendre nos villes. Et je parle pendant notre tour. Mais... on a bien défendu les villes, mais... on a pu prendre une ville ennemie. Alors là ça fait quoi? C'est pas du pillage. On a moins 7 par tour, ça peut aller. On va voir ce qu'on va pouvoir faire ici. Ah oh bah ça passe tout seul. Ça passe tout seul, écoutez les gars, résolution, magnifique. Rien à piller, donc on occupe. Attends, pourquoi? On convertit tous nos bâtiments. C'est quoi ça? Non, ça n'en veut pas. Ça n'en veut pas. Très bien. De la nourriture, oui, encore. Hein. Et du pain et des jeux. On va
voir ce que va faire cette armée, donc les porteurs de lumière. Et ici je vais aller piller un coup. Voilà, ça. Je pense que ça rapporte, que ça va être bien, mais ça va être bien quand même. Voilà. Il manquerait plus que la Bactrie mais car la guerre, et là ce serait la caca. Hop, résolution agressive. On relâchera. Et ça nous fera encore un peu plus d'argent. Peut-être 500, allez, à tous les temps. Ah, presque 700. Hein. 696, hop, et on dit adieu, Bosphore. On envoie des chats pour les rats. Et on fait un petit puits ici. Là, ce sera. Moi, c'est pas mal ça en vrai. Bon, y a pas un truc. On va faire celui-là. Hein. On va voir les recrutes. Ok, très bien. On continue le pillage, hein. Oh non, quoique. Je vais recruter une ou deux unités de plus. Voilà. Comme ça, on est prêt à toute éventualité. Super population, très bien. Je vais y faire la. Je vais faire un puits. Hein. Je vois que voilà, niveau insalubrité, c'est ouf. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Et là, on va faire quoi? Ça demande du mitriac. Hein. D'hygiène publique, ça fera pas de mal. Voilà, on va instaurer une loi, la douche mensuelle obligatoire. Enfin, la douche, le bain, bien sûr. Pas besoin. Par rapport à ce que vous nous faire croire, les peuples barbares étaient bien plus, bien moins barbares que. Penser enfin, que ce qui a été rapporté. Nous voyons peu. Anecdote, hein, ces barbares gaulois, et si sales, si machin, hein, non, étaient très très propres en fait, hein, bien plus propres que les Romains. On a même des écrits romains qui souligne justement la propreté en fait de ces Gaulois qui étaient encore plus paranoïaques sur la propreté et l'hygiène que les Romains, quoi. Alors que les Romains étaient connus pour leur thermes, leurs aqueducs, leur quantité d'eau qui arrivait énorme pour bah, par exemple laver ou autre. Et bah, ils disaient des Gaulois, ici ils sont encore plus tarés que nous sur ça. C'est dire à quel point. C'est dire à quel point il devait être propre. Un peu trop même. Yasté, là ça recrute tranquillement. On a fini de recruter. Non, un tour. Oh, il manque 3 hommes. Juste pour dire. Je vais sûrement décaler mon unité qui a pratique à pomme. À la. Ouais, tu m'étonnes. À Remar. En cas de soucis. En cas de soucis avec les Goths ou les rebelles germaniques. Oh, les rebelles germaniques, cool. Du pillage gratuit si jamais. Lui, il commence à m'énerver un peu. Je vais en cacher des couverts. Peut-être aller s'occuper. D'eux là. Comment
c'est très marrant. J'aimerais bien savoir qui c'est qu'il y a ici quand même. C'est quoi, je vais monter une expédition. Ça va être lui qui va y aller là. Ça va être le moins cher possible. Voilà. Et lui, il va aller. D'accord, c'est Palmyre. Bon, ouais, on va faire un petit pack de migration avec Palmyre. Hein. Là, on maîtrise. Là, on maîtrise. On va se tenter à. Nous avons du rôti de porc. Ça, je pense pas, et aussi de la bière et de l'hydromel. Mais d'abord. C'est un sprinter. Il veut pas, c'est dommage. Asseyez-vous, mon ami. On va attendre, on n'est pas sûr. On a déjà pris le Bosphore. On l'a fait tomber, mais magistralement. Allez, à la gloire du guerrier. Là, j'ai bien envie d'aller piller un petit coup là, ce territoire barbare. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Phanagoria. Voilà, et toi, tu vas aller jusqu'à Tyros. Tu vas un peu découvrir qui c'est qu'il y a dans le coin, quoi. D'ailleurs, hop. Faire une ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien? Ah, c'est de la vol de bouffe quoi. Ça. On va voir s'il est à le tour prochain, allez, pourquoi pas, mais vol de nourriture, c'est pas. Bon, c'est pas ouf quoi non plus. Par contre, j'ai vu que je pouvais recruter un dignitaire, ça c'est intéressant. Voilà, je vais recruter lui. Hop. Et. Hop, parfait. Il baisse leur public, mais il augmente. Donc ça me va. Oh, bah purée, une rang 2, c'est bien ça. Et. Ah, bah j'ai plus d'argent. Ah, bah c'est bête. Bon. Waouh. Plus d'impression de richesse pendant nos aventures. Je vais prendre celui-là. Comme je vous disais, les aventures qui en fin de partie sont rapportent méchamment de l'argent. Hein. Allez, Apolline Dupont, il y a l'ego ici encore. Monseigneur désire déposer les armes. La pitié ne l'insulte. Je peux pas. Je peux pas. J'essaie de bien m'entendre avec. Avec eux là. Avec les Istae, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. Et ce serait pas. Pas un bon plan pour mes relations avec lui. Ah oui, j'ai oublié ça. On va faire un camp de nomades. Ah oui, non, attends, voilà, il y a trop. J'ai trop de. J'ai une public 3. Moi de hop. Ah, c'est vrai que j'ai recruté aussi. Bon, toi. En marchant, on n'a pas besoin de te fatiguer plus. Allez hop, toi, tu payes long courant, il n'y a pas de problème. Bien, je vais voir, cette armée là n'est pas complète. Peut-être falloir que je m'en charge un jour. Après, je dis ça. Hein. Mais j'ai pas grand chose à vous. Hop, bon bah on va faire avancer hein, tranquillement. Appuyer.
il se passe quoi? Ouais. Ouais, il y a une bataille qui a eu lieu ou quoi ça? Oh les cons. Pour la paire de tout. Retraite. Ah bon, il y a l'Arménie qui a pris ça en plus. Ah, bah, d'accord. Bon, j'ai... ils ont la peste. Comment ça, je suis rentré sur le territoire arménien? Ouah, sérieux, ouais, c'est bon. Ah! Alors, lui, il m'intéresse bien. Voilà. Enfin, un agent qui est intéressant. Donc je connais bien Palmyre maintenant, on va voir comment je vais m'entendre avec lui. Parce que lui il m'énerve, là ça fait quelques tours qu'il traîne vers chez moi, j'aime pas trop ça. Ouais, plus 2, allez hop, putain. C'est bon, le choix il est vite fait. Hein. Et là on avait trouvé un. Voilà, c'était lui, je crois. Voilà, c'était lui. 1% de richesse provenant des aventures. Alors, faisons un récap. Ok, ok, ok. Plus 100% de richesse pour nos aventures. Allez, bah c'est parti. Ah bah des fois les gars, faut pas. Hein. Plus 1 d'autorité. Et on va voir ce qu'on nous propose comme aventure avec de l'autorité. Parce que s'il est 100% de richesse, il est en fonction de l'autorité. Les gars, clairement, pas me faire prier. Hein. Je vais faire que des aventures autoritaires. Il me semble qu'à une époque ça me revenait presque. J'avais fait une partie, je me demande si je gagnais pas 6000 par aventure, un truc comme ça. C'était absolument énorme. 300%. Dépend de toi. Oui, bah allez. Les gars, c'est bon. Peut pas. C'est pas grave. Hop, toi tu vas aller là. Et là lui on va très vite à la Sirac. Toi tu vas faire un petit raid. Et moi je vais, tu vas aller voir ce qu'il y a ici. Oh, ça c'est compliqué, ça c'est compliqué pour lui. Hop, faisons un petit tour des. Ouais, par contre, là on est comme on est bien. Enfin, on est comme, hein. Vraiment beaucoup de nourriture, on a vraiment besoin de beaucoup de nourriture. Allez, on va voir. Ça augmente un petit peu les revenus agricoles. Nous prenons cette colonie pour la tribu. Parfait. Résolution mal équilibrée. Hein. On pille un petit coup là. Voilà, on va piller en boucle et... Ça va bien. Bon, par contre, je vois là, cette espionne encore là. Bon, ça m'énerve un peu. Il barre. Non. Je suis prêt. Ouais, l'Arménie, hein, ils ont voulu jouer avec moi, bah... Hein. Ça, c'est pas vrai, ils ont encore la peste. Ils sont même pas reconstitués qu'ils ont encore la peste. C'est... C'est vraiment pas de cul quoi. Ah, petite embuscade ici. Hop là, sabotage, on peut faire un petit raid.
Il n'a pas réussi. Donc, quel dommage. Ouais. On va faire une tirette tranquillement là. C'était plutôt sympa. Hop, une petite incarnation de l'espoir encore. Résolution auto. Voilà, on continue. Hein. Ça fait de l'XP, ça fait tout ce qu'il faut. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop mal pillé. On va rentrer à la maison. D'ailleurs qui cette armée là qui est vraiment pas mal hein, dirigée par le roi. Bon tout de pillage là. Bon tout de pillage ouais. J'ai l'impression qu'on va toujours pas avoir de bataille en même temps. Pas trop les jouer les batailles avec, avec eux. Hop, une résolution auto, ça passe tout seul. Enfin, les batailles manuelles, hein, bien évidemment. Zup là, et en plus, ils sont malades. Attends, ils ont disparu dans la forêt ou comment ça se passe? Ah ouais, bah ils ont disparu. Ah ouais, bah ils ont été détruits en fait, ouais, c'est ça. Ils sont bons. Vous nous honorez. Il y a assez de nourriture pour les deux armées qui nous attendent. Osez plus, on va tout proposer. Ah, zut, ça passe pas. Je ne peux être d'accord, même si la bière qui m'appelle répand une odeur des meilleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, un petit tour de pillage, hein. Oh la vache, vous avez tout ce qui a augmenté les gars. Hop, gardien de la loi, oui, sur ce bien, ça va manquer autre chose d'intéressant. Non. Hop. Toi t'as quoi, toi? Est-ce que c'est toi qui volais plusieurs ruses. Attends, je vais savoir. Ouais, tu voles deux de nourriture, ouais, c'est ça. Tu vas voler encore plus et toi tu vas avoir ça, toi tu vas faire des actions donc plus d'autorité. Hop, allez, dernier tour. Dernier tour, les Khazars ils ont toujours vos hommes changeront les intestins des ennemis à nous. Venez. Aidez-nous dans cette guerre, je vous en prie. Ah, ce con, il a déclaré la guerre à tout le monde. Putain, il est pas doué. Ah non. Il s'est fait des ennemis partout, ce couillon, en fait. Mais vraiment. Putain, pas doué, quoi. Hop, pardon, on va le mettre aller. On va le faire aller, je veux dire, là-bas. Non, marche forcée à Phanagoria, on va passer par là, on va passer par là. Quelle bande de pas doué quoi, sérieux. Salutations mon ami, j'ai demandé une bonne bière pour vous adoucir la gorge. Si, alors, et ha la Confédération. En plus. Vous parlez aussi bien qu'un bard, mais je ne dois me laisser convaincre que... Joignez votre puissance à la nôtre dans ce conflit. Je vous le demande pour le bien de notre. Ok, bon, déjà. Ouh. Bon, ça, c'est pas intéressant. Toi, allez, pourquoi pas. Toi, pourquoi pas. Tu vas aller là-bas, par contre. Là-dessus, on va te mettre avec eux. Toi. Toi tu as fusionné, sauf toi. Ah j'ai fait l'inverse, oh con. Pas grave. Toi dissous. Ah bah ça fait un bon dernier tour. Hein. petit bastion du chef suprême, ouais, c'est toujours bien. Ça, oui, faut... tant qu'à faire. Au moins j'ai
Oh, il l'a pas amélioré, mais quel tanku. On peut tirer là-bas. Ouais, j'ai fait le tour désormais là qu'il avait lui. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, en plus on aura eu notre premier objectif. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à mettre les noms d'armées que vous voulez dans les commentaires. Il y aura un peu plus de place. C'était Thiom. Ciao!